Bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais couper juste la musique de Spotify. Ah, c'est cher ce truc. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, je me suis absenté 10 jours. Je suis désolé. J'avais pris un peu de temps. Un peu de vacances. Du coup, j'ai pas tout de suite streamé. J'avais dit que je streamais le lendemain. Finalement, je l'ai fait un peu plus tard. Donc, nous allons le terminer aujourd'hui. Apparemment, bon, ça va être une petite session parce que le jeu, il reste plus grand-chose à faire. De ce que j'ai vu, ouais, je me suis vraiment arrêté à 30-45 minutes de la fin. C'est dommage pour la dernière fois, mais écoutez, on va se le finir tout de suite. C'est parti. Oui, on était dans le grand temple où il fallait choisir un des quatre endroits. Let's go. Voilà, là on m'entend bien. Ouais, c'est bon. Alors c'est vrai qu'on avait déplacé une grosse boule à l'aide des petits enfants là qui sont comme nous. On avait réussi à. Voilà. Ça cassait la gueule. Voilà, on avait réussi à traverser la grande porte. On était arrivé dans cette zone là. Et on avait vu que ça activait plusieurs passages et je m'étais arrêté là parce que je me suis dit il y aura plein de trucs à faire, mais finalement je pense que ça devrait aller. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, ouais, Ah, ça fait 10 jours que j'ai pas stream, je me souviens plus du jeu. Oui, avec le masque là, oui, on arrivait à crier et à faire le passage, ouais. Je pense qu'on va s'en faire un par un, comme ça on va pas se perdre. Comme je vais pas crier parce que pas que le truc il se casse. Okay, donc je peux pas ouvrir les portes. Ah ouais. Ok. En vrai, je peux pas passer par là. Ouais, donc en fait, si ça se trouve, je m'étais arrêté parce que je croyais qu'il n'y avait pas plein de passages, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a un passage, quoi. Oui, donc je me suis fait un peu troller par le jeu, là, hein, enfin. Ouais, une chance sur trois, quoi. Alors. Ok,
faut peut-être juste fermer les trois portes. Ah, quoique là, il y a peut-être un passage à droite. Là, là, ça se ferme pas. Ok. Attends, je vais quand même aller voir là. Ah non, c'est pas un passage. Ah non, mais dis pas que c'est fermé. C'est quoi la connerie là? Ah bah nous l'a bien. Moi qui aurais du temps pour traverser là. Je sais pas si je pouvais sprinter, non. Hein. Sauter, action, ouais non. Bon, alors celle-là, on rentre direct. Hein. Je cherche pas à comprendre. Celle-là, on pourrait aller en bas. Allez, on trace, on trace, on trace. Ok. Ok. Je pense que c'était ce qu'il fallait faire, j'espère. Oh, excuse-toi. Voilà, on n'est plus à la même zone, d'accord. Voilà. D'accord, on est en haut du truc. Ok, d'accord. Ouais, ça marche. C'est l'ascension. Ah, j'ai pas vu ce qu'il a fait. Je crois qu'il a tué le... Il a tué le kids. Mince.
quelqu'un qui m'aide là. J'aurais pu remonter, mais on va le suivre. C'est pas un jeu avec des objets cachés, des easter eggs, donc pour l'instant. J'avais tendance à fouiller, mais j'ai pas l'impression que le jeu a un gros intérêt là-dessus. Quoi qui me ramène là-bas, hein? Bizarre. Bizarre. Ça donne le vertige, hein, toute cette hauteur là. J'ai vraiment pas envie de tomber, hein. Ah, il m'a fait peur. Ouais, petit. Dans la lumière. Voilà, bingo. Oh là non, ça sent le retour de l'oiseau. Parce que là, on est d'accord que si je saute, théoriquement, je me transforme en oiseau. Après, je pourrais plus me retransformer, par contre. On va rester en gamin pour l'instant, tant que c'est possible. Mais je pense que on va pas tarder à... Oh. Je me suis fait avoir. Ça va, je vais tout reconstruire. Vous ne m'aurez pas. Je vois pas, il y a le monsieur devant. Cassez-vous. Je sais pas si eux ils cassent ou ils réparent comme moi là. Ça me provoque, ça me provoque. Allez, monte, hop, hop, hop. Ouais, là, la caméra par contre, un petit peu aux fraises les mecs. Hein. Pas super super clair.
C'est lumineux, c'est la discothèque. Discothèque à... Mais attends, on a fusionné avec le... Ah mais on va devenir, à la fin, on va devenir les grands mecs. Oui, déjà, on n'a plus le même cri maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va être compliqué là. Je peux pas passer par là. Attends, je peux enlever le masque? Ah ouais, ils sont gentils, mais... Mais je peux pas monter là. J'ai un mur invisible. What? Ouais. Je comprends rien. Oh, pas. Et là, il veut pas rentrer. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Là, on se doute très bien que ça va se casser une fois que je serai là-haut, mais... Pourquoi ça se casse comme ça? Il met 15 ans à se relever. Attends.
Et là, je tourne en rond là. Passage, mais il veut pas. Je peux pas rentrer dans cette purée de failles. Tu veux pas rentrer là? On va continuer de tourner, hein. Parce que là, du coup, on a créé un escalier. Allez, grimpe. Je comprends pas parce que le jeu évolue là donc il faut que je me barre. Essayer de voir si on peut rejoindre la plaque là. Peut-être tout simplement se sauver. Mais... j'ai eu une petite alerte à 2 secondes.
Ah bah ok, il fallait juste se barrer, super. Bah ça y est, c'est... Ouais ben... C'est bien ce que je pensais, on était vraiment pas loin de la fin en fait. Hein. C'était vraiment à 30 minutes de la fin du jeu, malheureusement. Et maintenant j'ai une fenêtre qui s'est foutue dessus, voilà. Décidément. Ben voilà, on a fini, hein. Partir en notre retraite. C'est la retraite qui est assurée. C'est très rouge. Allez, faites la queue comme tout le monde. Hop, voilà. Un simulateur de passage à la caisse chez Leclerc. Mais faites la queue comme tout le monde, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Hop là, qu'est-ce qu'il y a là? Hop. Hop, 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 hop. Hop, discretos. Regarde, hop, les deux petites grand-mères. Hop, petite famille qui discute, elle a rien vu. Tac, 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 hop là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hop. Tac, tac, tac. Oh, il y a des cailloux qui tombent, vous avez vu, regardez. Oh là là, regardez par là-bas. Hop, tac, tac. Excusez-moi, je vous ai bousculé. Allez hop, je suis une femme enceinte, prioritaire. Désolé, je passe. Touc. Allez, c'est parti pour le grand saut. Excuse-toi, excuse-toi, excuse... Eh, oh. Bon, je passe après toi, ok. Bon, tu vois, j'y vais. Bon, allez, après, c'est moi. Go. Ouais. Allez.
Bah voilà. Crois que j'ai tout. J'ai fini tôt. Sacrifice. Alors là, par contre, si on a le générique, champion du monde. Ah là là. Ah là là là. Ah, il restait plus rien en fait. La dernière fois que j'ai arrêté, ouais, vraiment même pas 30 minutes de jeu. Malheureusement. Et on va finir sur un petit volage de oiseaux. Ah, il y a peut-être quand même un truc au bout. La fin du générique. Bon, c'est un petit jeu, c'est pas un générique Ubisoft qui va durer 15 ans non plus. Ça y est, la musique s'énerve. Hop là, tac tac. Peut-être revenir sur le point, le fameux point. Ah, pas du tout, ouais, d'accord. Spécial, thanks. Alors, ça sent la fin. Hi, moi, Kylian Kayentoki. Un jeu fait sur Unity. Ah si. Thank you for playing.
Voilà. Bon bah, quand j'avais prévenu de faire un live d'1 heure, bah écoutez, on va encore attendre une trentaine de minutes comme ça. Puis du coup, le jeu, c'est une boucle en fait. Donc là, en recommençant avec l'oiseau, on va activer les 3 points, on va se retrouver en gamma. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin en fait dans le jeu. C'est ça. Là, tu speedrun. D'accord. Parce que là, oui, ça a désactivé le fameux machin, donc. Écoutez, on va se refaire le jeu alors. Non, je déconne. Ah non, mais c'est ça, oui. Le jeu est une boucle. Ok. Ok, écoutez. Ah, puis je crois qu'il n'y avait rien, il n'y a pas de bonus ou quoi que ce soit le jeu. Enfin, rien du tout. Ah, je fais de la scène. Ah, voilà, ouais, c'est vraiment. C'est pas non plus. 5 scènes. Ok. Ouais, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de truc spécial. Bah voilà. Ah, c'était un mini live du coup. Bah, du coup voilà. Ah. Comment je vais faire ça? Attends, d'ailleurs. Voilà. Comme ça. Bon, ça va, un petit jeu sympa, c'est pas non plus le jeu du siècle. Bon, après, on sent les inspirations de Limbo, de choses comme ça, hein, clairement sur le jeu. On est vraiment là-dessus. Alors, du coup, je voulais tester. C'est vraiment des jeudis, j'aurais dû faire mon jeu du jeudi soir. Et je voulais tester une démo. Petite démo normalement qui est encore disponible, je regarde. C'est plus le nom du jeu non plus. Je voulais tester Goodbye World. C'est un petit jeu là qui avait l'air pas mal. C'est en anglais. Est-ce qu'il se joue à la manette? Manette. C'est un petit jeu façon un petit peu RPG Maker, mais qui se joue, qui a l'air d'être un petit peu horrifique. Je voulais le tester, comme c'est une démo, ça vous occupera un petit peu. Alors attendez, parce que là, je suis sur le menu. Je vais changer le nom du live.
Voilà, c'est parfait, c'est changé. Let's go. Voilà. Langage, graphique, full screen, yes. C'est parti. Alors. Le son il était bon, j'ai pas vu. Ah bah, il était à la moitié, donc c'est parfait. Côté son était pas mal, avec les configs. En bas, gauche, droite, ouais. Cancel, manuel, pause. C'est parti. Seulement on voit l'écran. Ouais. Ah, une petite vibration dans la manette là. Ça parlait de gens qui laissent les mensonges, qui mentent. Parce que j'ai plus ou moins compris. Ouais, j'espère que le jeu en sortie finale sera en français. Parce que ça a l'air d'être assez, assez verbeux. Voilà. C'est fini le jeu. Il était pas long. Hein. Mars 2017. Ouais, moi et Benishan, voilà, on s'était étudié au collège. Oh, un petit Game Boy. Ouais. Setting Man ou curseur, set and setting man. Previous, next. Retwistage A plus B. Long press. Move and jump. Ok. Right block, set block. Ah ouais, c'est vraiment sur la Super Nintendo, sur la Game Boy. Ah, ok. Ils savent la croix.
Ah, le bloc que je prends, ça, ce truc-là, il les garde. D'accord, je pensais plutôt qu'on pouvait leur tomber dessus. Ah, ok. D'accord, j'ai compris. Ouais, par contre, je peux pas les enlever. Je fais ça. Du coup, là, je vais faire un petit escalier. Le concept est excellent. Voilà, parce que si je fais ça... Ok. Ah, si c'est des mini-jeux dans des mini-jeux, ça peut être marrant ça. Hey Kenny. Est-ce que je peux te parler? Parler. Je vais juste faire un jeu qui me rend. Bon, je peux être heureux avec. Je sais que je ne peux pas être vu cette personne. Tu dois le savoir. Entier de ce... Et d'apprendre comment travailler une équipe. Nanana, travail objectif, tatati, ok, je sais ça. Je ne vais pas rentrer dans la compétition avec un travail médiocre. Mais... Excuse-moi. Je viens pour mon enseignement, machin. Ouais, je suis un petit peu occupé actuellement. Est-ce que tu peux revenir plus tard? Ok. Désolé. Anyway. Oui, la discussion permet de résoudre des problèmes d'équipe. Ça s'appelle le pixel art graphique. C'est juste des situations. Petite entaille, ok. Y a pas d'effort pour nettoyer.
Bon, là, elle t'explique comment faire du pixel art. It's impossible. Bonjour, je suis Kumad. Je suis un artiste. Je suis dans les arts et le design. Je ne pense pas que nous avons discuté avant. Différentes courses. Est-ce que tu. C'est toi qui as gagné le award? Kani-san, c'est ça? Ouais, c'est moi. Tu cherches quelqu'un qui sait faire du pixel art, c'est ça? Je pourrais le faire, professeur. Êtes-vous d'accord? Si je switch ma place avec les autres personnes pour ce travail. Si tout le monde est d'accord, je ne vois pas le problème. Elle essaye de faire justement du pixel art, l'autre va le tirer la gueule, mais son équipe actuelle n'aime pas trop, ils disent que son style est trop vieux. Nous sommes dans un jeu en pixel art qui parle du pixel art. Attention, hein, attention, c'est très méta. Kaylee, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux vraiment le faire? Je suis sûr que je peux le faire. Oh. Pour la convaincre, elle lui montre un de ses exemples de travail qu'elle a pu faire. Tu peux regarder et décider par toi-même. Si j'ai le niveau que tu recherches. Et c'est comme ça que nous avons commencé à faire des jeux ensemble. Fin de la démo. Non, quand même pas. Bah, du coup, le jeu il est pas du tout creepy alors. Moi je pensais qu'il était tout creepy, vu le style. À moins que. Après avoir fini l'école, on n'a jamais eu un full-time job. Voilà, nous avons décidé de vivre et de fabriquer des jeux ensemble. La réalité est difficile. Passer du temps à faire des jeux vidéo. Le problème, c'est que voilà, tu passes ton temps aussi à faire du taf à côté. Est-ce que le jeu va évoluer du coup? Est-ce que c'est toujours le même? Ou est-ce qu'il y a un truc avec ce jeu? 1, 2. Ah oui, ça tombe, d'accord, c'est bien ce que je pensais, il y a... Donc si je fais ça, voilà, je tue le mec.
Ah mais non, attends, je suis bête. Ah non, parce que je peux peut-être faire... Oui, en vrai, il n'y a que celui qui me concerne. Façon, les transitions des stages, ça va être à chaque fois de faire un petit stage de jeu. Alors, est-ce que le jeu vidéo va évoluer au fur et à mesure? J'ai pas envie de spoil. Hey. Oh, bonjour, passe. Qu'est-ce qui se passe? What's going on? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quoi? Je joue juste à un jeu vidéo. Tu es une idiote. Fais ton travail. C'est le vieux qui comprend pas les jeux vidéo. Puff, puff, puff. Pion. J'ai dit quelque chose. Ah, pourquoi? Quel est le problème avec toi? Vous avez dit de le prendre bien. Non, de le faire simple, de le faire facile lorsqu'il n'y a personne autour. Je joue un tout petit peu aux jeux vidéo parce qu'il n'y a personne. Arrête de chercher des excuses. Oh, le vieux, il tousse. Arrête la clope. Jazz. Je m'en fous si tu es un créateur de jeux vidéo ou autre chose. Fais quelque chose de sensé. Est-ce que tu sais ce que le les gens people like you, comment les gens comme vous sont appelés? Un problème social. Je me sens mal. Qu'est-ce que je suis censé faire? Oh oui, mais bien sûr. Pense au chat. Quand ça va pas, elle pense au chat. Ça va mieux. Ok, je vais me calmer. Et... Ton jeu n'est pas vendu et tu es courte au niveau de la thune. C'est pour ça que tu travailles ici. Est-ce que tu considères que te vends parce que ça a été fait par un loser comme toi? Est-ce que tu m'écoutes? J'en ai assez. C'est ma phrase. Ferme ta bouche et licencie-moi. Kanisha n'arrive pas à tenir un boulot. C'est pour ça que les conditions de vie sont un peu compliquées. Chapter, toi. En fait, c'est lui qui travaille pour tout le monde, quand même. Un peu plus tard dans la journée. À chaque fois que je fais un jeu vidéo, Kanisha perd un peu de confiance. Oui, la raison est simple, le jeu ne se vend pas. Et forcément, ça la blesse.
Par contre, le jeu là, il va devenir de plus en plus dur. On en a 3 sur 3, je crois. Ouais, bah 3, hein. 3. Ouais, on a 3 vies en plus. Est-ce que ça... Non, pas peur. Je pensais qu'on pouvait tricher. Ah non, je peux pas aller à droite. À gauche. C'est chaud. Ah mais j'étais obligé de faire gauche-droite en fait. Ah, attends. Et si je fais ça, je casse la dernière. Ça, 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 ça. Je sais pas ce qui se passe en dessous. Bien sûr, j'ai pas trouvé la clé. La sortie, elle est là. Elle est accessible sans truc. Ok. Je trouve la clé. Ah oui, attends, parce que du coup maintenant je peux aller là. Ouais. Et puis là forcément j'ai plus de... Ça c'était sûr. C'était sûr là. Ça recommence tout. Oh non. Thank you.
J'ai essayé de faire un tel truc, mais non, le jeu ne veut pas. Ah, parce que du coup, ça... Ah ouais, je peux pas le casser. Ah, j'ai perdu un truc. Ah, c'est chiant. Attends, il y aurait moyen peut-être de gratter là. Ah mais non, il faut que je casse celui du dessous. Ah si. Ouais, mais je pourrais plus remonter. Je suis coincé. Trop de trucs hein. Parce que là si je mets un ici je perds celui-là. Ça a quand même un problème, c'est que j'ai encore été coincé. Par contre, attends, ça saute 3 cases, on est d'accord? Donc en vrai, je pourrais faire ça. Question à 100 000, c'est est-ce que j'aurai assez pour revenir? Je truc.
Attendez, je vais être obligé de mettre les trois. Comment je faisais tout à l'heure? Ah, comme ça. Non mais je sais, oui parce que... Ça va, il y a peut-être moyen de ne pas se retrouver bloqué. J'espère juste que j'ai bien calculé mon coup. Oh, attends, pourquoi elle est tombée? J'ai pris la clé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, mais je crois qu'il me faut encore un... S'il faut faire le truc, mais j'ai mis de la vigile. Ah, puis il a pas sauté en plus. Ah. Ah!
ça va pas le mettre parce que sinon je vais me retrouver bloqué. Là j'ai pas la place. Ok. Là théoriquement. Si j'arrive pas là, j'aurai le cul qu'il me faut pour la fin. Là, si je déconne pas, ça devrait le faire. Et 6, ça devrait être pas mal. Attends. Si c'est ça. J'ai compris la... J'ai chopé la mécanique. Ici que ça me prend la tête parce que on vient de tenter les trois mais bon. Non mais je suis trop con. Ouais, c'est bon, ça passe. Attends, dans la logique, on est bon. C'est la win. On doit pas être trop loin non plus de la fin de la démo, je pense. La démo qui est plus longue que la fin du jeu Vayne qu'on a fait tout à l'heure. C'est bien. J'ai très bien calculé. Mais... tac 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 tac. Je passe un mot pour récupérer. Ah. Est-ce que si je fais tout là, je peux voilà, je passe. Ah, je passe pas que je sois non plus. Oh, 5, je pense que ça suffit. Comment j'ai fait pour en avoir 0 ici? Ah, attends. Faut faire un chemin en fait. D'accord. D'accord. Ouais, donc le jeu devient un peu plus compliqué, c'est que déjà, bah là, on voit déjà que ça se. Ça se perfectionnise. Oh. Hey, Kanishan. Pourquoi tu es là? Bienvenue à la maison. J'ai été encore une fois licencié. Je croyais que tu avais du boulot aujourd'hui. Ben, c'est-à-dire... J'ai quitté. Ce n'était pas fait pour moi. Encore? Comme je te l'ai déjà dit, c'était pas pour moi. Ben, 9 à 5, John. 9 à 9, 9, 9 to 5. Ouais, 9h, 9h, 17h, peut-être.
Tu dis tout, tu réalises dans la situation où nous sommes. Je sais. Je vais trouver vite un autre job. Cependant, j'ai lu ton script. Comment c'était? Une histoire à propos de sauver une princesse d'un démon, d'un lord démon. Ok. C'est une histoire classique. Mais par ailleurs, qui veut sauver la princesse d'un démon lord? Qu'est-ce que tu suggères? Par exemple, tu pourrais faire en sorte que le protagoniste meure de manière bizarre. Ou avoir un plot twist quelque part. Ou utiliser des idées métafictionnelles. Nous avons besoin de quelque chose comme ça pour que les gens parlent de ça. Il faut que les gens en parlent. J'ai besoin de discuter du gameplay. Et en second, du plot. Kanishan, mais c'était ton idée? Tu as dit que tu voulais faire un jeu vidéo centré autour de l'histoire. Oui, ce que j'ai dit. Mais c'est pas le moment de continuer sur cette voie. De refaire un vieux jeu à la old school avec une fin prévisible. Qui veut créer un jeu qui ne marchera pas? Ne me dis pas. Tu suggères de recommencer encore? Je ne pensais pas que c'était ça quand tu créais les jeux vidéo dans le passé. Mais en force. Mais ça fonctionne, c'est différent. Après avoir commencé à faire des jeux vidéo professionnellement, Kenichen a commencé à changer. Thanks for playing the demo. Ok. Bah écoutez, pour l'instant, c'est plutôt sympatoche. À voir si le jeu reste comme ça. Parce qu'il parle d'un jeu centré sur l'histoire et pas forcément sur le gameplay, donc ça pourrait être l'histoire du jeu en lui-même. Puisque là, on fait des petits trucs RPG Maker et à côté, on fait le petit jeu. Le jeu de Nintendo Game Boy. Mais je pensais que le jeu était un peu plus creepy en fait, par rapport à l'ambiance un peu façon Yuppie Psycho ou The Cult of Shanner pour ceux qui connaissent. Donc voilà, à suivre. Je regarderai quand même un petit peu de gameplay, un peu le trailer pour voir s'il y a s'il y a autre chose ou si c'est vraiment. Après, comme la personne Paul. Parler de faire un jeu vidéo avec un twist, avec le personnage qui meurt au début et tout ça. Est-ce que, étant donné que le jeu s'appelle Goodbye World, est-ce qu'après on va partir sur un truc très méta, très bizarre, et est-ce que le jeu va justement changer? Parce que là, ça reste classique. Donc.
Donc voilà. Bah écoutez, bah ça va, ça fait 1h30 de live. Je pensais faire moins long que ça, finalement. Ça s'est bien passé. Je vous donne rendez-vous bientôt. Peut-être pas demain, peut-être le week-end. Sans doute ce week-end, puisque je suis en vacances. Donc on va continuer les lives. Voilà. Ciao, ciao. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.